La chambre. Je vais vous asseoir. Monsieur l'huissier, nous attendons les témoins. Bien, madame, comme je le disais avant la suspension, la parole est donnée maintenant à la défense qui va certainement vous poser certaines questions. Et comme j'ai eu à le dire à certains témoins qui passent devant nous, c'est que vous avez donné la déposition des faits dont vous avez eu connaissance. Bien, acceptez donc la défense qui joue aussi son rôle, sa partition dans ce procès, puisse vous donner, vous poser certaines questions, même si quelquefois elles sont un peu, j'allais dire, dérangeantes, vous êtes tenu d'y répondre, à moins que la cour, la chambre, ne trouve ces questions un peu déplacées. Mais comprenez que, bon, eux aussi jouent leur partition dans ce procès, dans le sens de contribuer également à la manifestation de la vérité, parce que on ne voudrait pas que ce soit seulement le seul son de cloche des parties civiles. Tout le monde doit contribuer à cela. Donc, comprenez que c'est dans ce sens-là que la défense pose ces questions. Mais si d'aventure, il y a des questions qui vous ont posées, que vous n'êtes pas à mesure d'y donner des réponses, vous dites à la Chambre tout simplement, je ne peux pas y donner des réponses, je ne le sais pas, je ne comprends pas. Voilà. Bien, donc la défense, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Bonjour, Madame Haroun. Bonjour, Maître. Voilà. Mes questions, je vais essayer de les circonscrire le maximum pour vous permettre de faire des réponses très courtes, si vous le souhaitez, ou si vous en jugez de l'opportunité. Voilà. Vous êtes bien d'ethnie Hadjaraï ? Vous appartenez à l'ethnie Hadjaraï, Madame Haroun ? Oui, bien sûr, je suis de l'ethnie Hadjaraï. D'accord. Feu son Excellence, Monsieur Haroun Ghodi, appartenait également à l'ethnie Hadjaraï ? Oui. Il appartenait à l'ethnie Hadjaraï également. D'accord. Vous êtes assistante sociale principale de formation ? Oui. D'accord. Quel est le pourcentage de la population Hadjaraï au Tchad ? Le pourcentage de l'ethnie Hadjaraï relativement à toute la population tchadienne. Ça représente combien en pourcentage? Vous avez une idée? C'est possible que vous n'ayez aucune idée là-dessus aussi. Non, hein. Je n'ai pas une idée. D'accord. Très bien. Les Hadjaraï, en général, sont-ils très solidaires entre eux? Oui, ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Savez-vous ce que c'est l'ethnocentrisme? Pas en particulier l'ethnocentrisme, j'ai dit solidaire
par rapport à certains contextes, certaines situations sociales. D'accord. D'une manière générale, peut-on dire que la société tchadienne est ethnocentrique ? C'est-à-dire très attachée à l'ethnie, l'ethnie prend une place très importante dans la vie sociale. À l'époque, c'était ça, mais c'était pas une priorité. C'est-à-dire, excusez-moi. Parce que tout le monde, il n'y avait pas la frontière entre le sud, le nord, l'est. Il y avait un brassage. D'accord. Oui, effectivement, j'ai relevé au cours de votre déposition que vous aviez déclaré qu'à l'époque, donc ça nous situe entre 82 et 90, 1982-1990, vous avez déclaré qu'au Tchad, il n'y avait pas cette scission, entre guillemets, si on peut appeler ça, cette séparation entre le nord et le sud. Vous confirmez cela ? À partir de 82 et 90. Entre 82 et 90, ou si cette scission a existé, à partir de quand ? C'était avant. C'était au temps de Tombalbaye. D'accord. Elle existait, oui. Cette scission. Oui. Et du temps de Maloum, même s'il n'a pas duré au pouvoir, elle a existé également. Oui, oui. Et c'est à l'avènement, donc si je comprends bien, de la Troisième République, c'est ça, de M. Hissène Habré, qu'est-ce qui s'est passé là, précisément, par rapport à ce phénomène ? Bon, c'est là où... C'est là où il y a eu plusieurs conflits. Oui. Qui ont succédé avant que M. Hissène Habré ne soit au pouvoir. Et c'est suite à ces conflits qu'on a remarqué, ensuite, il y a eu cette division au sein de la société tchadienne. D'accord. Alors, si je vous suis bien, donc, c'est cette multiplication de partis politiques militarisés qui ont fait que ça a aggravé en quelque sorte cette scission. Oui. D'accord. Vous savez à peu près quels étaient ces partis politiques, ces tendances armées Vous avez une idée là-dessus? Bon, j'ai suivi, mais c'était les CDR, les FAN, le GUNT, quoi encore. Et quelques autres? Je ne me rappelle plus des autres. D'accord. Vous aviez connaissance que ces groupes politico-militaires étaient armés, qu'il y avait une branche armée rattachée à chacun de ces partis politiques? Bon, c'était beaucoup plus le GUNT avec les FAN, c'est les forces armées du Nord. Ça, c'est ce qui est dirigé par M. Hissène. Et GUNT, c'était le temps de Bukuni, Bodé. D'accord. Et dans le Sud, vous avez connaissance de l'existence de certains groupes partis politiques armés dans le Sud du pays? Pour le Sud, j'ai entendu parler de Kodo. Des Kodo, d'accord. D'accord. Moi, je voudrais, avec la permission de la Cour, et si vous le voulez bien, Madame Haroun, revenir un peu sur cet épisode de la lettre. Cette fameuse lettre dont M. Mahamat Djibrin Di El Djonto vous a tendu, vous a remis pour vous inviter à la lire. Vous avez confirmé devant la barre de cette chambre que, effectivement, vous avez reconnu l'écriture de votre époux. Oui, c'est cela. Vous êtes affirmative là-dessus, vous êtes catégorique, je veux dire. Oui, j'affirme. C'était bien une lettre écrite, manuscrite, de la main de votre mari. Oui. D'accord. Ne trouvez-vous pas curieux que
cette lettre ne vous ait pas été remise par ce dernier au moment où il vous quittait, où vous le voyez pour la dernière fois, et à l'occasion de laquelle il vous donnait les dernières recommandations. Les dernières recommandations de quitter la maison. De votre époux avant de partir, en vous disant que la situation était très grave, qu'il devait partir, qu'il vous confiait les enfants, qu'il vous confiait également sa maman. Non, vous... ça, je n'avais aucune idée de l'existence de cette lettre. D'accord. Et vous ne trouvez pas, comment vous expliquez le fait que cette lettre qui vous était destinée ne vous a pas été remise par lui? C'est là où j'ai trouvé un peu curieux. Oui. Comment M. Eldianto a su qu'il y a une lettre qui était placée dans un livre et qui se trouvait au salon de mon mari et il est venu récupérer. J'ai trouvé vraiment curieux. Quoi. D'accord. Vous aviez dit tantôt que avant de regagner le Tchad, votre époux était ambassadeur en Belgique et en Roumanie, c'est bien ça? Non, il n'était pas ambassadeur, il était chargé culturel en Belgique, oui. Bruxelles, et chargé d'affaires en Roumanie, à Bucarest. D'accord, et vous êtes rentré en 1984, c'est ça, à N'Djamena? Oui, nous sommes rentrés fin 83. Fin 80. Fin de l'année 83. D'accord. Et quand est-ce que votre époux a été nommé par M. Abré, chef du gouvernement, en qualité de secrétaire d'État avec rang de ministre? Secrétaire d'État de la Santé, je crois. Ou à la Santé, plutôt, pardon. Il a été nommé en 84. 84. Oui. À votre avis, est-ce qu'il s'agit là d'une promotion dont a bénéficié votre époux? Oui, ça peut être une promotion. Ça peut être une promotion, d'accord. On peut le croire comme ceci. Et donc, il a été secrétaire d'État avec rang de ministre jusqu'à la date à laquelle il a disparu. C'est ça où il a pris son limogeage. Son limogeage est intervenu en quelle année? C'est en 87. En 87. Il l'a appris comment? Vous savez, vous ne savez pas? Comment a-t-il appris donc son limogeage? Par décret. Par décret présidentiel. Qui lui est parvenu directement? Oui. Qui lui est parvenu directement? Oui, et puis c'est annoncé aussi à la radio nationale. Et puis ça a été annoncé également à la radio, comme ça se fait habituellement, plus ou moins, oui, effectivement. Et vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui à propos de ce limogeage? Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que vous en avez parlé un peu avec lui? Bon, moi, je n'étais pas du tout à l'aise. Je n'étais pas du tout à l'aise et il m'a dit, bon, c'est des choses qui arrivent, mais il se pourrait qu'on le nomme peut-être, ou bien il va regagner son ancien poste. Quoi. Qui était quoi, en fait? Médecin? Il était médecin de formation ou autre chose? Non, avant de partir pour la diplomatie, il était commissaire de police. Il était commissaire de police, oui. D'accord. D'accord. Et il était bien après, en 84, nommé secrétaire d'État à la Santé, c'est oui, ça? Oui. D'accord. Et du jour où il a quitté, en fait, le domicile, après vous avoir donner les dernières recommandations, comme vous nous l'avez expliqué, vous ne l'avez plus revu? Non. D'accord. Jusqu'au jour où vous dites dans le procès verbal, depuis 87, j'ai appris à la radio nationale son exécution. Oui, le 13 décembre 88. D'accord. Donc vous ne saviez pas du tout où il était? Non. Il pouvait être n'importe où et partout. Je veux dire, il pouvait être dans le maquis. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Est-ce qu'il avait des armes? Une arme? Est-ce qu'il portait une arme ou
À la maison, y avait-il une arme? Non, il n'avait pas d'arme. D'accord, il n'a jamais eu d'arme. Quand il était policier, il était commissaire, il avait un pistolet. Quand il était commissaire, il avait un pistolet. Ouais. Donc c'était quelqu'un qui pouvait probablement se servir d'une arme. C'était une personne qui pouvait se servir d'une arme. Est-ce que forcément, dans quelles conditions? Oui, non, je veux dire d'une manière générale, hein, pas forcément pour la braquer sur des innocents, ou, mais en cas de nécessité, il pouvait se servir d'une arme. Comme même les combattants de M. Hissène Habré savaient se servir des armes. Donc oui. Lui, il a une formation de police. Oui, mais seulement, ce n'est pas à M. Habré que je pose la question. C'est à vous, madame. Donc, il pouvait se servir d'une arme. Je n'ai aucune réponse à cette question. Madame Haroun, donc vous n'avez aucune certitude entre la période où il a quitté le domicile en vous faisant les dernières recommandations et le jour où à la radio vous avez appris son décès. Je n'avais aucune information à son sujet. D'accord. De qui que ce soit. De qui que ce soit. Que tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur, c'est-à-dire qui tout le monde? Bon, ses amis, les proches, surtout les hommes. Quoi. Surtout les hommes. Ouais. D'accord. Les enfants, les femmes, les vieillards n'avaient pas peur. Oui, les enfants n'étaient pas concernés. D'accord. Vous avez déclaré à plusieurs reprises sur, à l'occasion de votre déposition et puis ensuite sur interpellation de monsieur le procureur et des conseils des parties civiles, à plusieurs reprises vous avez soutenu que c'était l'ethnie Hadjaraï qui était visée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? À cette époque, oui. Oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je pense que j'ai donné des explications sur le mobile. Oui. C'est la dissidence du lieutenant Maldumba d'Abbas. D'accord. Et son retour. C'était une dissidence armée ou simplement politique? Ça, je ne sais pas faire la différence. Vous ne savez pas faire la différence entre un politicien qui fait de la politique sans armes et un politicien qui fait de la politique avec des armes? Vous n'arrivez pas à faire cette différence? Non, ça je ne sais pas si c'était armé, si c'était sans armes. Parce qu'ils sont arrivés à la maison, ils n'avaient pas d'armes. Oui, chez vous, il n'y avait pas d'armes, j'ai compris. Quand ils sont venus également chez vous, il n'y avait pas d'armes. Je pense que ça, c'est... on vous le concède. Mais est-ce que vous savez faire la différence entre une personne qui fait de la politique sans armes et une personne qui fait de la politique armée, avec des armes? À votre niveau, quoi, je veux dire. Est-ce que vous arrivez à faire cette différence? Est-ce que vous le concevez ou vous ne comprenez pas ma question? En ce moment, j'essaierai de la reformuler autrement. Peut-être là, je peux me référer par rapport à l'histoire de M. Hissène Habré. Oui. Il a fait la politique avec armes. Oui. Quand il était au maquis. D'accord. Donc, vous savez parfaitement faire la différence. Ouais. Entre un politicien qui fait de la politique armée et un politicien qui fait de la politique sans armes. Sans armes, c'est les négociations autour des tables. Oui. Donc pour vous, le seul qui faisait de la politique armée, en étant armé, c'est M. Habré. Bon, pour moi, c'est l'exemple que j'ai donné, quoi. Oui, mais est-ce que vous avez d'autres exemples? Il y avait aussi M. Boukouni qui est passé par là. Oui. Et les Kodos. Les Kodos. Oui, et le Mossanat. Le Mossanat après. Armés aussi. Oui, parce qu'ils sont arrivés avec l'action du 1er avril 88. Mm-hmm. Et votre époux appartenait-il au Mossanat?
Il n'appartenait pas au Mozanat. Comment pouvez-vous être aussi catégorique puisque vous avez déclaré que vous ne parliez pratiquement jamais avec lui par décence de questions politiques? Oui, mais c'est parce que lorsque les Mozanat sont arrivés, ils ne l'ont pas vu. Personne ne l'a vu. Quand ils sont arrivés, où? Ils sont rentrés en 90. Où? À N'Djamena avec ce qui a donné naissance au MPS actuel. Oui. Quand ils sont arrivés, donc quand le MPS est arrivé à N'Djamena, oui. En fin décembre, le 30 décembre précisément, ou le 31 décembre 90. 1er décembre. Oui. J'ai pas compris ce que vous avez voulu dire à la fin. Oui, je disais que le lieutenant Maldoum à l'époque, avec son équipe. Avec ses hommes. Avec ses hommes qui étaient à l'époque arrivés chez moi à la maison, lorsqu'ils sont rentrés avec les MPS, j'ai eu des entretiens avec eux, mais ils m'ont dit qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne l'ont pas vu. D'accord. Vous appartenez à l'association des victimes de crimes du régime de Hissène Habré, c'est bien ça? Oui. Depuis quand appartenez-vous à cette association? Depuis 92. Depuis 1992. Oui. D'accord. C'est-à-dire pratiquement à la date de création. Oui. C'est ça, de cette association? Oui. C'est ça. D'accord. Vous êtes membre fondatrice? Non, je ne suis pas membre fondatrice, mais j'ai occupé quand même un poste au sein de cette... Oui, j'étais vice-présidente. Vous étiez vice-présidente de cette association. À l'Assemblée générale, j'avais démissionné par rapport à mes activités professionnelles. D'accord. Vous nous disiez tantôt qu'en 1984, je crois, vous aviez donc... terminer vos études, c'est ça? Non, en 88. Un second, en 88. Oui. Est-ce que, au cours de votre, comment dirais-je, de votre formation et puis ensuite de votre carrière professionnelle, est-ce que vous avez été radié du corps? Non. Ou limogé? Non. Non. On ne vous a absolument pas inquiété à ce niveau-là? Non. D'accord. D'accord. Ne pensez-vous pas, Madame Haroun, que si toutes ces victimes qui ont fait l'objet d'exactions, d'exécutions sommaires, et si cela s'était réellement passé, ne l'ont été simplement que parce qu'il se trouvait qu'elles appartenaient à un groupe armé qui, en son sein, pour la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-majorité, des gens de l'ethnie Hadjaraï. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Ils n'appartiennent pas tous... au mouvement. Par exemple, les gens du Mossanat, si on prend l'exemple du Mossanat, vous êtes un peu au courant donc à peu près de la composition des membres intellectuels et puis des hommes armés de ce parti-là, le Mossanat. Vous avez quelques connaissances là-dessus? Tout ce que je sais, c'est que le Mossanat a été dirigé par... le lieutenant Maldoumbada Abbas. Oui, c'est tout ce que vous savez. Oui. Oui. Parce que vous aviez esquissé une réponse et vous aviez dit à propos de la composition des troupes, pour l'essentiel, vous aviez esquissé un début de réponse. Est-ce que c'est pas parce que la grosse majorité de ces personnes-là, de ces troupes-là, était constitué par des gens qui appartenaient à l'ethnie Hadjaraï? Ce
que c'est les Adjaraï qui étaient visés à cette période? Pardon? Par le régime? Oui. Oui, vous avez dit que c'est l'ethnie Adjaraï qui était visée. Oui. Vous êtes convaincu de cela? Oui. Et moi, ma question, est-ce que vous ne le pensez pas justement parce que, pour l'essentiel, la grande majorité des troupes qui constituaient ce mouvement du Mossanat étaient des gens qui appartenaient à l'ethnie Adjaraï? Bon, Mossanat, c'est, en fin de compte, ça a pris... c'était un mouvement national. C'était un mouvement national. Ce n'est plus les Adjaraï seuls. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par mouvement national? C'est d'autres... Ils regroupaient un peu... Les autres ethnies ont regagné également. C'est-à-dire lesquelles? Ça, je ne sais pas. Et vous savez que des autres ethnies avaient regagné, mais vous ne savez pas lesquelles? Oui. D'accord. Vous ne pouvez même pas donner, sur les plus de 100 ethnies qui existent au Tchad, un exemple d'une ou deux ethnies? Non. Qui ne seraient pas des Adjaraï et qui auraient rejoint le Mossanat? Non. Non. Bon, très bien. Maître, vous ne pensez pas qu'elle est en train de faire de la spéculation en ce moment? Très bien. Je réponse, c'est ça. Je retire ma question, Monsieur le Président. Non, ce n'est pas que vous retirez la question, mais c'est ça la difficulté que nous avons souvent. Si les jeunes, si vous voulez leur suggérer des réponses et que, bon, finalement, ce qu'elles devraient dire, ce n'est pas ça, c'est quelque part ça aussi, spéculer, parce qu'elle n'a pas de réponse à y donner. Excusez-moi. C'est surtout ça, quoi. Oui, mon souci était surtout, Monsieur le Président, simplement de préciser la pensée de Mme Haroun, hein, c'est uniquement ça. Soyez rassurés, je n'entends pas lui extorquer des aveux ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. Vous aviez dit tantôt que lorsque le MPS est rentré dans N'Djamena et qu'ils ont ouvert les portes de la DDS, beaucoup de gens s'étaient rendus à la DDS, mais pas vous. Alors, oui. C'est ça, je hein, pas madame. Rendu à la DDS, non. D'accord. Et comment vous avez appris que beaucoup de gens s'étaient rendus à la DDS? Mais après, lorsque les gens se sont rendus et ils ont découvert qu'il y avait des disparitions, oui. Au sein de ma famille élargie, j'ai dit mon village, tout le monde s'est regroupé chez mon papa, surtout les hommes se sont regroupés chez mon papa pour décider de l'organisation des sacrifices collectifs pour tous ceux qui ont disparu dans la DDS. Donc c'est chez votre papa que vous avez appris que beaucoup de monde s'était rendu en fait à la DDS? Oui, ceux qui ont... C'est pas par la radio, par... Surtout les hommes sont allés à la recherche. Et la radio, vous qui l'écoutez pratiquement tous les matins, comme vous dites, vous n'avez pas appris? La radio n'a pas parlé de ça. Juste après le changement de régime, la radio n'a pas parlé de ça? Mais c'est après que... Ça va venir après, quoi, mais sur les champs, c'était d'abord ça, les parents qui se sont rendus pour à la recherche de... Et leur, finalement, ils n'ont rien trouvé. Sauf les rescapés qui étaient arrêtés vers la fin. D'accord. Donc vous procédiez à des sacrifices collectifs. Vous avez procédé par la suite à des sacrifices collectifs. Oui. D'accord. On peut savoir en quoi ils consistaient, ces sacrifices collectifs, si vous le voulez bien, hein, si ça ne vous ennuie pas. En tant que musulman, quand un membre de la famille décède, il faut faire des sacrifices. La lecture du Saint-Coran et faire des sacrifices. Et on sacrifie quoi? La lecture du Saint-Coran en soi-même, ce n'est pas un sacrifice. La lecture du Saint-Coran, c'est un plaisir. Est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Si vous estimez que ce n'est pas important, je vous laisse toute la liberté de ne pas répondre à la question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame Haroun.
Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Haroun. Bonjour, Maître. Madame Haroun, à la suite de mon excellent confrère, je voudrais vous poser quelques questions. Je dois vous dire d'emblée qu'il y avait une série de questions que j'avais préparées, mais sur lesquelles je ne reviendrai pas, parce qu'ayant été posées par mon confrère, je vais juste essayer de débattre avec vous de certains points. Et je voudrais commencer par l'incident qui est arrivé au sujet de l'affaire de l'oncle d'Idriss Miskin. Cet incident, vous avez déclaré ici qu'il y avait une divergence dans son traitement, certains voulant indemniser la famille et d'autres, parmi lesquels se trouvait votre défunt mari, voulaient que justice se fasse, qu'il y a eu des débats, des discussions, qui se sont terminés au niveau du ministère de l'Intérieur où un accord n'a pas pu être trouvé, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez eu connaissance d'une quelconque manière où cette affaire aurait été portée à la connaissance du président de la République? Oui, mais comme c'est passé par le ministère de l'Intérieur, certainement, il aurait rendu compte. Il aurait rendu compte. Vous en êtes sûr et certain? Oui, je suis sûr. Le ministre a rendu compte? Je suis sûr. Je n'ai pas vu, mais je pense. Vous pensez? Oui. Donc, vous n'en êtes pas sûr, puisque vous le pensez simplement. Si, je suis sûr. Qu'est-ce qu'il a dit au président de la République alors, si vous en êtes sûr? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit au président de la République, mais normalement, c'est une mission qui lui a été confiée. Normalement. Donc, s'il y a une mission confiée à un membre du gouvernement, il doit rendre compte à son chef. Logiquement. Vous savez, Madame Haroun, je vous ai posé la question parce que ce n'est pas tous les jours qu'un chef de famille est au courant de ce qui se passe dans sa même famille, dans sa propre famille, même dans un ménage. À plus forte raison lorsque cette famille-là est une famille très agrandie, de la taille d'une nation, d'un État, à la tête duquel se trouve un président de la République, et qui, normalement, ne doit pas pouvoir être au courant de tout ce qui se passe. Donc, si vous déclarez que l'incident a été discuté jusqu'au niveau du ministre de l'Intérieur où une solution n'a pas été trouvée, je me pose la question de savoir ce que vous dites après concernant le président de la République. N'est-ce pas le fruit de votre imagination ou alors c'est une conviction fondée sur une preuve formelle? Pourquoi imaginer des choses? Donc, pour quel intérêt? Donc c'est une conviction fondée sur une preuve formelle. Parce que je vous ai donné les deux alternatives. Parce que les faits sont là. Oui, mais les faits, justement, nous cherchons devant la barre du tribunal la preuve des faits. Si vous avancez un fait, nous sommes obligés de vous demander la preuve que vous avez que cette affaire discutée au niveau du ministère de l'Intérieur, qui n'a pas trouvé de solution, l'a été aussi au niveau du président de la République, ou alors, d'une manière ou d'une autre, le président de la République en a été tenu informé. C'est la preuve de ce fait que je suis en train de vous demander si vous l'avez. Mais pourquoi limoger automatiquement après cette affaire? Le limogeage, c'est autre chose. Je ne parle pas du limogeage. Oui, mais ça fait partie aussi des mobiles. Bon, d'accord, je continue. Alors, vous avez dit que votre défunt mari a quitté la maison de lui-même. Je suppose donc qu'il n'a pas été arrêté. Selon vous, s'est-il rendu aux autorités? A-t-il rejoint la rébellion? Ou alors s'est-il réfugié quelque part?
selon vous? Si vous avez bien suivi ma déposition ce matin, je disais que je n'avais même pas eu le courage de l'accompagner à la porte. Donc, la destination qu'il avait prise, ça reste inconnu pour moi jusqu'à aujourd'hui. Très bien. D'habitude, lorsque les forces de sécurité procédaient à des arrestations et même à des détentions, quelquefois à des exécutions, est-ce que c'était un usage d'informer la population de l'exécution des personnes précédemment arrêtées? Qui informe qui? Les autorités. Est-ce qu'elles informaient la population? Mais s'il y avait information, est-ce que les gens allaient se ruer aussi à la détresse lorsque le régime est tombé? Très bien, c'est la réponse que j'attendais. Alors, pour le cas de votre mari, pourquoi le communiqué a-t-il été fait de son exécution? Pourquoi alors? Ça, c'est les auteurs qui peuvent donner cette réponse. Mais vous avez réfléchi à la question? C'est les auteurs de l'exécution. Réfléchissons ensemble. Est-ce que alors ce n'est pas parce que votre défunt mari, paix à son âme, avait rejoint la rébellion armée qu'il a combattu, qu'il a été tué, que l'autorité, comme ça se fait en période de tension, en période de guerre, chaque parti renseigne sur ses prises, sur les personnes qu'il a pu tuer? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il était justement dans la rébellion que l'autorité a décidé d'informer que M. Tel a été tué? Comme ceux qui sont à la DDS, on ne donne aucune information à ce qui les concerne. Ce qui fait d'ailleurs qu'à la fin du régime de Abré, toute la population s'est ruée sur la DDS pour voir si les leurs qui étaient arrêtés étaient encore là. Alors, votre mari, vous dites que c'est un communiqué officiel lu à la radio d'État qui a donné l'information sur sa mort. Est-ce que ça ne vous a pas laissé penser que votre mari ne se trouvait pas dans les locaux de la DDS, mais qu'il était sur le front, qu'il combattait et qu'il a été tué? D'où l'intérêt de la communication par l'autorité. Je pense que si vous avez bien suivi ma déposition, j'avais bien souligné que lorsque le régime est tombé et que le MPS est entré, j'ai eu l'entretien avec M. Maldoumba d'Abbas et avec quelques-uns de ses compagnons, mais ils m'ont juré qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne l'ont jamais vu. Oui, mais avant de rencontrer M. Maldoumba d'Abbas, lorsque l'événement s'est produit, alors, lorsque le communiqué a été fait à la radio, j'imagine que vous avez réfléchi sur toutes sortes d'hypothèses. Qui a pu exécuter mon mari? Pourquoi il l'a exécuté? Où l'a-t-il exécuté? D'autant plus que quand il est parti, vous ne saviez pas sa destination. Vous avez dû réfléchir, vous avez même dû faire des recherches pour savoir où est-ce qu'il a été tué. Et à ce moment, est-ce que vous n'avez pas pensé que s'il était détenu comme tous les autres Adjaraïs qui meurent en prison sans qu'aucune information ne soit donnée, alors l'autorité n'aurait pas eu besoin de faire ce communiqué à la radio? Et que peut-être c'est parce qu'il était sur le front. Vous ne vous êtes pas posé cette question? Ça, je pense que c'est l'autorité seule qui serait en mesure de donner la réponse. D'accord. Moi, je suis épouse, je suis restée avec les enfants. On a survécu dans des conditions très difficiles, donc je n'avais aucune information de ce genre. Merci. Alors, le lieutenant Maldoum, il est venu chez vous à la suite de la médiation de votre défunt mari, avec combien de personnes à peu près? Une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes. Oui. Ces personnes étaient-elles armées? Non, ils sont arrivés à la maison sans armes. Sans armes. Durant leur séjour de 3 mois chez vous, est-ce que des réunions s'y tenaient? Non, il n'y avait pas de réunions, mais il y avait des visites de leur famille.
Les visites de leur famille. Oui. D'accord. Et ces familles-là venaient d'où? De quel... Ils sont à N'Djamena. Ah, c'est des familles qui sont à N'Djamena. N'Djamena, oui. Donc, les seuls regroupements qu'il y avait chez vous, c'était entre vos hôtes et les membres de leur famille. Oui. Mm-hmm. C'était des réunions qui pouvaient à peu près contenir combien de personnes, à peu près, selon vous? Des réunions? Oui, mais une réunion, c'est une rencontre. Non, une visite, c'est une rencontre. Je vous ai dit qu'ils recevaient les visites de leur famille. Oui. Mais ce n'était pas des réunions. Bon, moi, pour généraliser, je les appelle rencontres. Quand on reçoit les membres de sa famille, c'est une rencontre. Est-ce qu'ils les recevaient tous, c'était en groupe, ou alors c'était des visites privées de chacun des 20 autres, là, pour chacun de ces 20? Oui, mais c'était des visites groupées? Ils ont laissé des femmes et des enfants. Donc, c'est normal qu'un père de famille... Qui rentre à la maison, c'est normal que la femme et les enfants viennent rendre visite et les amis. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de la composition des différents gouvernements du président Abré de 1982 à 1990? Non, je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Je ne me mêlais pas de la politique. Très bien. Est-ce que, parce que vous êtes intellectuel, vous êtes tchadienne et vous avez un mari qui fait de la politique et qui est un haut responsable de l'État. Oui. Lorsque le gouvernement était formé, certainement vous en aviez une lecture pour voir la représentation régionale, la représentation ethnique, la représentation selon le genre. Hein? Est-ce que vous vous posez juste ces questions? Quel était votre sentiment sur ces différents gouvernements du président Abré? Oh, ça, c'est... Lui, il formait ses gouvernements comme il le voulait. Y avait-il une répartition équitable des postes ministériels pour les différentes ethnies ou les différentes régions? Oh, ça, c'est évident, la géopolitique, ça, c'est évident. Et quel était le taux de représentation de l'ethnie à laquelle vous appartenez? Ça, je ne sais pas le dire. Vous ne savez pas? Non. Monsieur le Président, je vous remercie. C'était ma dernière question. Maître Nying n'a pas de questions, Monsieur le Président. Okay. Bien. Madame Fatima, je crois que vous êtes à la fin de votre déposition. La Chambre vous remercie d'être venu, d'avoir contribué à la manifestation de la vérité. À présent, vous êtes libre. Vous pouvez repartir donc au Tchad. Okay, merci beaucoup. Merci, le Président. Et nous comptons beaucoup aussi sur la Chambre. Merci. Le prochain témoin, c'est le D1898, Monsieur Awada Ali. Nous allons le prendre à l'issue de la suspension que nous allons opérer tantôt. Et nous reprendrons donc à partir de 14h. L'audience est suspendue jusqu'à 14h. Gracias.
Merci. Voilà, merci.